J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. La charité, bonnes gens, la charité. Encore une de ces vermines qui empuantissent l'air de Paris. Un jour, je nettoierai tout ça. Un petit sou, mes bons seigneurs, pour un ancien soldat du roi. Pourriture, oui. Tu aurais mieux fait de crever pour de bon. Allez, le chassieux, donne-lui la charité. Pitié, mon seigneur, c'est tout ce que j'ai. Allez, soldat, défends-toi. Ah oh. Petit coup de béquille pour lui apprendre la propreté. Pitié! Ferville! Eh bien, marche noire, je vous trouve de plus en plus courageux. À trois contre un mendiant, quel héroïsme! Oh, ça! Vous allez me le payer! C'est que je ne suis pas riche. Je n'ai que mon épée pour vous payer. Et je vous l'offre. Hop. 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 Alors, mon pauvre ami, on perd son épée. Mais bientôt, ce sera le pantalon. Prenez garde. Ramassez, chef. Ramassez, je vous couvre. Détendez-vous, Pouillard. Ils vont vous transpercer. Arrêtez. C'est pas lui, c'est moi. Vous avez 2 secondes pour disparaître de ma vue. Allez, et que ça saute. Je vous revaudrai ça, Verville. Ma vengeance sera terrible. J'en tremble à l'avance. Tenez, monsieur. Et à l'avenir, évitez ces hommes. Ils sont de la pire espèce. Mille merci, monseigneur. Je suis très pressé, Marche Noire. Je dois rejoindre le roi dans le sud de la France. Ah oui, le mariage de Sa Majesté avec l'infante d'Espagne. Oui. Une réussite personnelle. Grâce à moi, nous avons fait la paix avec les Espagnols. Et pendant votre absence, Éminence? Pendant mon absence, je compte sur vous comme d'habitude. C'est que j'aimerais, pour le retour du roi et de la future reine, avoir la charge officielle de nettoyer Paris de ces brigands. Donnez-moi une escouade de soldats et je ferai merveille. Très bien. Mais vous pensez faire mieux que le lieutenant général de la police? Infiniment mieux. J'ai dans la tête toutes sortes de plans redoutables. Je vous donne 15 jours pour me convaincre. Pas un de plus. Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître veut venir vous voir. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Et puis, crotte, j'en ai assez de répéter cette scène. Voulez-vous que je vous souffle la suite? Merci, ma chère. La suite, je la connais par cœur. Molière ne devrait pas tarder. Mais voici 2 heures qu'il ne devrait pas tarder. Après tout, il a bien mérité de se distraire. Mademoiselle de Brie, je vous fais grâce de vos remarques. Fort bien. Je m'en vais moi aussi prendre l'air. Allez bien, Marotte. Laissons la grande Madeleine Béjart à ses tristes pensées. Il est vrai que tu sembles bien malheureuse. Oh, pas du tout. Au contraire,
Je suis très gaie. Je vais faire un peu de broderie en attendant Molière. Allez, amusez-vous bien. Coucou. Monsieur de La Fontaine, oh, quelle agréable surprise. Pardonnez-moi, madame, de vous importuner. Mais non, monsieur. Comme vous le constatez, je suis seule en scène et je ne fais rire personne. Ne dites pas cela, madame. Moi, je vous trouve admirable. Et votre beauté... Non, pas un mot de plus sur ma beauté. Aujourd'hui, je ne fais aucune confiance au poète. D'ailleurs, je devine que vous êtes venu voir Jean-Baptiste. Cela est vrai, mais... Eh bien, en ce cas, si vous ne voulez point perdre votre temps, allez donc flâner vers le Pont-Neuf. Avec un peu de chance, vous trouverez Jean-Baptiste en compagnie de ma chère sœur. Ce n'est plus un secret pour personne. Je reviens du marché, les prix ont doublé. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Approchez, approchez, venez vous mesurer à l'homme le plus proche. Allez, allez, ma belle, viens goûter ma potion. Elle guérit de la peste, mais aussi du mal d'amour. Et en plus, elle donne une langue brillante. Je te laisse la peste et je garde l'amour. Écoutez-moi, bravo. Bravo, Armand. Voilà qui est bien envoyé. Mais oui, de l'eau miraculeuse. Oh, viens voir l'eau qui sent, c'est extraordinaire. Jean-Baptiste, arrête un peu, j'ai le tournis. Mais nous n'avons presque rien vu. Viens vite. Miraculeuse, je vous dis. Je l'avale et je la recrache de la couleur que vous souhaitez. Menteur, charlatan. Regardez l'incrédule. De quelle couleur le veux-tu, le miracle? Noir. Noir comme tes mensonges. Allez, vas-y, crache ton venin. Vous allez voir. Venez voir les marionnettes fameuses du sieur Briochet. Oh, les marionnettes. Lorsque j'étais enfant, mon grand-père m'y emmenait toujours. Tu sais, Armande, ce sont peut-être les marionnettes qui m'ont donné envie de jouer la comédie. Je me souviens qu'elles me fascinaient. Mais j'ai l'impression qu'elles te fascinent toujours. Eh bien, monsieur, seriez-vous encore un enfant? Permettez-moi, mon amour, de le rester jusqu'à ma mort. Jean-Baptiste, il se fait tard. Madeleine doit nous attendre. Eh bien, elle nous attendra. Ne serait-il interdit d'aimer les deux sœurs, Armande et Madeleine Béjart? Les deux sœurs, d'un même amour, sûrement. Il te faudra choisir, et vite. Eh bien, c'est tout choisi. Entrez, entrez, venez voir la bosse et le gros ventre de Polichinelle. Il a trop mangé, trop bu, et le docteur arrive à la rescousse. Entrez, entrez. Messieurs, le cardinal Mazarin a quitté Paris à midi. Et grâce à cet ordre de mission, nous avons les mains libres. Bien sûr, c'est pas beaucoup. C'est amplement suffisant. Lorsque le roi sera de retour, nous aurons rempli la prison du Châtelet. Elle est déjà bien pleine. Il y a toujours de la place pour les assassins, la Bastille et les autres prisons. Je veux des arrestations massives. Je veux qu'on tremble sur notre passage. Moi, le grand marche noir, je deviendrai ministre de la police. Vous êtes sûr que le cardinal... Le chassien, fichez-moi la paix avec le cardinal. Il est malade. Il ne fera pas de vieux os. Notre nouveau protecteur, c'est Colbert. Si c'est vous qui le dites... Présentez les armes. En rang par deux. En avant! Incroyable. Aïe, 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 j'ai mal au ventre. Si Polichinelle est malade, c'est pour avoir trop bu et trop mangé. Et le docteur accourt à son cheval. Je vous trouve en effet le ventre trop ventru et la bosse trop bossue. Payez-moi et je vous guérirai. Laissez-moi et je vous paierai. Aïe, 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 j'ai mal au ventre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe.
Oh, Monsieur de La Fontaine ? Je savais bien où vous trouver. Ces marionnettes sont un régal. Je vous présente Armande Béjart, la sœur de Madeleine. Je vous laisse discuter entre hommes. Moi, je veux savoir la suite. Et quand vous aurez mal partout, vous finirez bien par me payer. Avez-vous des nouvelles de Quentin ? Il est toujours à Saint-Mandé, chez Monsieur Fouquet ? Il est surtout en compagnie de la jeune Louise et, ma foi, je crois qu'il est en train de recevoir une véritable éducation de gentilhomme. Hein ? Allez, Quentin ! Plus en attaque ! Tu es trop en défense ! Mais Monsieur de Verville ! Si je me défends, c'est bien parce que vous êtes le plus fort. Eh bien, justement, imagine le contraire. Dis-toi qu'il s'agit de défendre une belle demoiselle. En ce cas, monsieur, attention à vous. Eh bien, parfait, vas-y, porte le coup. En attaque simple, les genoux fléchis davantage. Attention, tu te découvres trop. Sauvé par l'arrière-garde. Merci, Cachou. Je vois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Tu as déjà fait beaucoup de progrès. Et maintenant, passons à la leçon d'équitation. Ah, en tout cas, ce petit galopin me manque beaucoup. Soyez rassuré, car vous aurez sous peu l'occasion de le revoir. Monsieur Fouquet, qui est depuis quelques années mon protecteur, m'a chargé de vous inviter à Saint-Mandé. Il aimerait que vous y jouiez vos précieuses ridicules. Quelle bonne nouvelle ! Monsieur Fouquet est bien sûr le plus grand financier du royaume, mais pour moi, c'est avant tout l'esprit le plus éclairé de notre temps. Un jour, vous verrez le château qu'il se fait construire à Vaux-le-Vicomte. Tous les plus grands architectes du royaume y travaillent sans relâche. Il m'a commandé un poème à la gloire de ce palais que j'intitulerai « Le songe de Vaux ». Il me fit voir en songe un palais magnifique, des grottes, des canaux, un superbe portique, lieu que pour leur beauté, j'aurais pu croire enchanté. En effet, vous me faites rêver. Jean-Baptiste, viens vite ! Oh là là, Cyrano de Bergerac. Voilà un poète qui n'a pas l'air de rêver. Marche Noire est devenu fou. Il voit des brigands dans tous les coins et les fait enchaîner. Allons protéger Bonaventure. On ne sait jamais. Tu as l'autorisation du roi pour ton négoce ? Non, monseigneur, mais je ne fais aucun mal. Emmenez-le. Oh. Mais enfin, je n'ai rien fait. Et maintenant, allons rendre visite à ce cher Bonaventure. En voilà un que je ne raterai pas. Cessez donc de jouer les héros, monsieur de Bergerac. Cette fois, je suis en force. Allez, Bonaventure, au nom du roi, je t'arrête. Et moi, au nom du roi qui me protège, je vous ordonne de faire demi-tour. Un vulgaire comédien qui me donne des ordres, vous avez entendu ? Mordius, il faudra d'abord me passer sur le nez. Un pas de plus et je t'embroche. C'est un petit mélange magique de ma fabrication. Enchaînez-le ! Il est possédé par le démon ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est démoniaque ! Oh, enchaînez-le ! Oh, arrêtez-moi ça ! Oh, sauvez-vous ! Je me charge de retenir ce régiment de poltrons. Je sens que je vais même bien m'amuser. Il a raison. Filons ! Regarde. Et voilà. Et voilà. Ah.
Attention, cette fois derrière la haie, il y a un petit cours d'eau. C'est plus difficile, alors n'oublie pas mes conseils, Quentin. J'y vais. J'ai eu une de ces peurs. Mais non, Quentin. Tu es de plus en plus sûr de toi. Ah, pauvre Turlupin. Je l'avais complètement oublié. Écoute, Quentin, ton âne est bien mignon, mais c'est un vrai pot de colle. Va chercher, si tu veux. Moi, j'ai envie de galoper. Louise, attends-moi. Mais qu'est-ce qu'elle a, monsieur de Verville? Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. J'arrive, Turlupin, j'arrive. C'est monsieur Marchand. Laisse-moi passer, je n'ai pas de temps à perdre. Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas. Eh bien, Marche Noir, vous avez donc vraiment perdu la tête? On raconte que vous semez la terreur dans Paris. Vous emprisonnez les nains et les mendiants. Vous vous attaquez aux comédiens. Quel courage! J'ai une mission officielle et j'irai jusqu'au bout. On raconte également que Cyrano de Bergerac a lui seul à faire reculer un bataillon. Quelle force! Assez! On racontera bientôt que j'ai fait arrêter votre ancien amant, le comte de Verville. Ça vous intéresse? En effet. J'attends ce moment depuis trop longtemps. Je n'y croyais plus. Ainsi donc, François de Verville s'est lancé dans un nouveau complot. Une tentative d'assassinat sur la personne de l'infante Marie-Thérèse, la future reine de France. C'est horrible, non? Pauvre François, si jeune, sur l'échafaud. Ce qui est surtout bien triste, c'est qu'il est innocent. Comment cela? Chère marquise, vous me sous-estimez. J'ai fabriqué ce complot de toutes pièces. En ce moment, le comte de Verville est chez monsieur Fouquet, à mille lieues de se douter de ce qui l'attend. Et ma fille dans tout cela? Justement, je veillerai personnellement à ce que votre adorable petite Louise vous revienne de droit. En contrepartie, un peu d'argent, quelques bijoux. Comme d'habitude. Sortez, Marche Noire, sortez! Et vous êtes devenue folle? Peut-être, mais vous, vous n'êtes qu'un dangereux bouffon. Un pauvre malade assoiffé de pouvoir. Vous ne reverrez jamais votre fille. Je la ferai enfermer dans un couvent. Dehors. Sortez. Allons, monsieur Quentin, de la grâce. Pliez les genoux. Trop court, monsieur Quentin, trop court. C'est un menuet. Et si vous voulez devenir un vrai petit marquis... Mais il a raison. Je n'ai aucune envie de devenir marquis. Je suis un saltimbanque, moi. C'est une autre manière de danser. Voilà, messieurs. Et veuillez m'excuser pour ma lourdeur. Quentin, je t'en prie, reviens. C'est terminé pour aujourd'hui. Le chassieux, tu viens avec moi arrêter Verville à Saint-Mandé. Et toi, Pouillard, tu t'occupes de la marquise de Saint-Julien. Moi? Arrêter la marquise? Oui, je croyais en faire une complice et elle est devenue tout à coup dangereuse. Exécution! Ma Louise adorée, tu sais bien que je t'aime, mais nous devons arrêter de rêver. Je suis né sur les tréteaux et toi, dans un beau lit à baldaquin. Un petit comédien et une future comtesse, c'est comme les chiens et les chats, ça ne se marie pas. Remercie ton père pour tout ce qu'il a fait et dis-lui que je ne suis pas digne d'être son fils. Oh, fiche-moi la paix, Cachou, je n'ai vraiment pas envie de rigoler. Ah, alors, Lagrange, il ne manque rien? Rien, sauf ces dames. Ah, elles sont encore en train de se pouponner. Oh non, 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 vraiment, cette fois, elles se moquent de nous. Les voilà! Les voilà! Mais dépêchez-vous, s'il vous plaît! Armand et Madeleine, montez dans ma voiture. Non, en aucun cas. Nous avons décidé de rester entre nous. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Comme cela, il n'y aura pas d'histoire.
oui. Mais oui, Cachou, moi aussi, il me tarde de retrouver Molière. Ne pleure pas, ma Louise. J'aurais tôt fait de le rattraper. Père, dites à Quentin que moi aussi, j'aime le théâtre. Moi aussi, je veux qu'il devienne un jour un grand comédien, comme Molière. Je le lui dirai. Je suis vraiment désolé, madame. Vous serez encore plus désolé quand le cardinal vous fera jeter en prison. Je vais te rattraper, Quentin! Bien sûr, c'est facile. Avec un cheval, on va beaucoup plus vite. Quentin, ce sont là des enfantillages. Louise est très triste. Moi aussi, monsieur. Je suis triste de vous quitter, mais je ne puis faire autrement. Serait-ce déjà Molière? Molière? Pourquoi? Il doit venir? Mais oui, monsieur Fouquet l'a invité. Marche Noire et une troupe de cavaliers? Que viennent-ils faire ici? Quelle délicatesse! Vous m'ôtez la peine de vous courir après. Tiens donc, vous désiriez me voir? Je suis venu vous arrêter. Au nom du roi! Je ne suis pas certain que le roi soit au courant, mais puisque vous y tenez, venez me chercher! Monsieur de Verville, attention! Arrête, Quentin, ils sont trop nombreux. Non, monsieur, c'est l'occasion ou jamais de mettre vos leçons en pratique. Enchaînez cet homme! Espèce de lâche! Tout juste capable de tirer dans le dos! Petit barbu, tu crois m'impressionner? Bravo, Quentin! Ne romps pas! Attaque! Attaque encore! Mais faites-le taire! C'est à vous, Marche Noire! En effet, c'est à moi! Je pourrais te tuer, mais je te laisse le soin de tout raconter à tes amis! Molière, comme je suis content de te voir! Ne t'agite pas, tu sais, tu as reçu un vilain coup sur la tête. Je vous assure, je n'ai plus mal. Le comte de Verville, il faut le délivrer! Où est mon épée? Vite! Nous avons croisé Marche Noire sur la route. Ne t'inquiète pas pour François de Verville. Je te jure qu'il ne restera pas longtemps en prison. Monsieur Fouquet interviendra auprès du roi. Et moi aussi j'interviendrai, à ma manière. Et lorsque magicien s'énerve, ce pigeon ira porter un message à tous mes amis du Pont-Neuf, de la Cour des Miracles et de la Foire Saint-Germain. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronne. Suffira pour chasser les brigands. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo.